Donc on va faire un petit contrôle de l'hémoglobine avant le don, hein, pour voir si vous pouvez donner votre sang. Les explications sont un passage obligé, mais pour Florence, rien de nouveau. Depuis des années, à chaque fois qu'une collecte a lieu, elle est fidèle au poste. C'est parti, donc on va prélever 480 millilitres et ça va durer environ de 10 minutes. Voilà. Hein. Tout le monde n'a pas son expérience. Certains, pour leur première fois, sont un peu fébriles face à l'aiguille. Mais Florence, elle, se veut rassurante. C'est normal, j'estime que consacrer un peu de notre temps, parce que bon, ça, au niveau physique, ça n'a aucune incidence. Voilà, au niveau, on ne tombe pas malade, hein, voyez. Et c'est important. Pas de soucis, moi je trouve que c'est essentiel de pouvoir aider notre prochain. Le plasma et les globules rouges collectés prendront ensuite la direction de l'hôpital et seront conservés dans cette salle réfrigérée, prêts à alimenter toute la Haute-Corse. Ces poches sont destinées aux services de réanimation, comme souvent. L'utilisation principale du sang collecté, le traitement des accidents et des cancers. Malheureusement, les stocks corses ne suffisent pas toujours à répondre aux besoins. Nous prélevons 9600 poches par an et nous en délivrons aux établissements de soins. Donc pour nos malades qui sont soignés sur l'île, nous en distribuons 12600. Donc il en manque 3000, à peu près 25%. Résultat, on doit régulièrement faire appel aux stocks du continent. Jusqu'à dimanche, l'établissement français du sang espère suffisamment de dons pour faire face aux besoins des prochains mois. Et l'affluence de cette première journée est plutôt encourageante.